vitrine économique de Thomas, le secteur privé régional à l'honneur. Valoriser le secteur privé régional face aux perspectives d'avenir de l'économie nationale, c'est l'objectif de la vitrine économique de Thomas, organisée par Media Consulting, qui se tiendra du 22 au 24 novembre prochain à Thomas, sur la place de l'Avenue. Les préparations battent leur plein selon les précisions apportées hier par Zobarson Radzonarvund, DG du groupe. Les stands commenceront à être mis en évidence dès demain. Ce rendez-vous économique d'envergure qui se tiendra dans la ville portuaire se veut être un événement d'une importance capitale et à la hauteur des ambitions économiques de la région. Elle est placée sous le haut patronage du Premier ministre et du vice-premier ministre chargé de l'économie et de l'industrie. Le choix de Thomas, la capitale économique de Madagascar, n'est pas le fruit du hasard. Il a été motivé par la volonté de se conformer à la politique de décentralisation qui permet aux régions Analandzrouf, Antsnanan et Alotamangour de bénéficier des activités et des rencontres d'envergure nationale, voire internationale. Il s'agit de créer une plateforme privilégiée pour favoriser la rencontre entre le secteur privé, les bailleurs de fonds, les consommateurs et l'État, et de ce fait de concrétiser les initiatives allant dans le sens de la décentralisation et de la déconcentration des activités économiques. Cette vitrine économique sera une occasion pour les opérateurs économiques de dénicher d'autres opportunités de vente, d'échanger leurs expériences et d'étudier ensemble les perspectives d'avenir économique de la région. Tous les secteurs y seront représentés, agriculture et élevage, industrie et mines, transport et logistique internationale, INTIC, bâtiments et travaux publics ou encore tourisme. Cette manifestation sera également une opportunité d'illustrer le partenariat public-privé déjà engagé à travers le partenariat avec les autorités locales.